Cette semaine, je reviens avec une vidéo Storytime. C'est un type de vidéo que j'ai abandonné mais que j'avais pour habitude de faire au début de ma chaîne. J'ai dû en faire 3 ou 4 et je me suis dit que ma vie était très peu intéressante et que ça n'intéresserait personne que je continue. Sauf que ces derniers temps, j'ai beaucoup consommé des Storytime de personnes qui racontaient leur démission. Et ça m'a énormément aidé à déculpabiliser et à en tirer des leçons. Et je m'étais dit que faire un retour d'expérience sur ma récente démission serait profitable à certains d'entre vous. Et en faisant écho à ma dernière vidéo qui était un petit peu une story time, c'est également pour me forcer à parler un peu plus de moi. C'est un gros blocage que j'ai depuis énormément d'années qui m'est énormément reproché par mon entourage. Et bizarrement, c'est plus facile pour moi de parler face caméra que face à une personne. Mais avant toute chose, je voulais vous parler de l'opération Branche d'Olivier ou opération Olive Branch en anglais, qui vise à venir en aide aux familles en détresse à Gaza, en Palestine. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la situation, mais il y a plus d'1,5 million de personnes à Gaza qui ont été déportées de force dans le sud, à Rafah, à cause des bombardements incessants sur la bande de Gaza par Israël. Rafah a été désignée comme safe zone par le gouvernement israélien, sauf que ils ont commencé à bombarder massivement la ville de Rafah. Je vous laisse imaginer l'hécatombe et le génocide. 1,5 million de personnes se retrouvent massées dans une petite ville de 64 km². C'est l'une des zones les plus densément peuplées, et bombarder cette ville-là alors qu'il y a plus d'1,5 million de personnes ne peut conduire qu'à un génocide prémédité. En quoi consiste l'opération Olive Branch? En fait, ils ont fait tout un effort de recensement des familles en détresse palestinienne qui ont initié des cagnottes pour collecter de l'argent et pour pouvoir s'échapper de la bande de Gaza. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rafah se trouve à la frontière égyptienne et l'Égypte refuse d'ouvrir ses frontières aux réfugiés gazaouis. Du coup, ils sont obligés de payer, de récupérer de l'argent pour pouvoir s'échapper de cette situation catastrophique. Du coup, je vous mettrai un lien en barre d'infos de l'opération Olive Branch. Vous allez voir que c'est un fichier Excel avec l'ensemble des cagnottes qui ont été initiées par les familles. C'est l'une des meilleures façons de pouvoir les soutenir. Même si vous n'avez pas les moyens, je vous encourage à partager au maximum cette initiative, cette information. Plus nombreux on sera à en avoir connaissance, plus facilement ces familles pourront collecter l'argent dont elles ont besoin pour pouvoir s'échapper. Dans ma dernière vidéo, je vous expliquais que j'ai démissionné de mon dernier poste il y a environ 6 mois. Et je m'étais dit que ce serait sympa de vous expliquer ce qui m'a conduit à démissionner de ce poste-là, parce que initialement, quand j'ai signé avec cette boîte-là, je pensais que c'était le poste idéal, le poste rêvé, parce que il répondait à peu près toutes mes attentes. Vraiment, sur le papier, ce poste cochait toutes mes attentes. Je pouvais travailler en gardant mon voile. J'avais réussi à bien négocier mon salaire. Je précise que j'ai 10 ans d'expérience en informatique, donc j'ai pu faire valoir mon expérience. J'allais travailler dans un contexte international, donc en pratiquant, en parlant anglais tous les jours. Et cerise sur le gâteau, j'avais une de mes amies les plus proches qui travaillait là-bas et j'allais travailler en équipe avec elle. Donc c'était vraiment, vraiment le job idéal que j'espérais depuis tant d'années. Je précise aussi, et c'est un petit disclaimer que j'ai oublié de faire, que en aucun cas je viens d'une famille privilégiée. J'ai grandi en HLM dans l'un des quartiers les plus chauds de Roubaix. J'y ai passé 30 ans de ma vie. Et si j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait des études, c'est parce que j'ai travaillé, c'est parce que
Je me suis donné les moyens. C'est pas parce que je suis née avec une cuillère en argent dans la bouche, loin de là. J'ai simplement bossé en fait pour en arriver là où j'en suis. C'est un petit disclaimer que je voulais faire. C'est pour anticiper les commentaires désobligeants que je pourrais avoir vis-à-vis de cette vidéo. J'ai oublié de le préciser, mais je suis ingénieure en informatique avec environ 10 ans d'expérience. Mais à la base, je n'ai pas étudié l'informatique à la fac. J'ai fait des études de biochimie et de sciences de la nutrition. J'ai travaillé un an et demi environ dans ce secteur-là et j'ai détesté. J'ai fini en burn-out. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je me reconvertisse, que je passe à autre chose. Des personnes de mon entourage m'ont dit que le milieu de l'IT recrutait, notamment une boîte en question qui recrutait des profils scientifiques pour les former à la tech, au milieu de l'informatique, pour ensuite les placer chez des clients. Et je me suis dit que c'était une opportunité à saisir. Donc c'est pas vraiment un métier que j'ai choisi par passion, même si quand je fais la rétrospective des quasiment 10 ans que j'ai passé dans ce milieu-là, j'ai aimé ce que j'ai fait, j'ai appris tellement de choses, j'ai rencontré des gens exceptionnels. Mais c'est pas un métier passion, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, sachez-le, si vous aussi vous cherchez un secteur qui recrute, sachez que l'IT, que la tech, que l'informatique, ça recrute énormément. Pour vous dire, il y a tellement peu de recrues qui vont chercher ailleurs d'autres profils pour pouvoir les former et les placer en mission. Donc bref, ça c'était pour vous donner un petit contexte. Donc j'ai démarré début 2023 et je suis restée quasiment 6 mois avant de démissionner. Ce que j'ai oublié de dire mais que je vous ai précisé dans ma dernière vidéo, c'était que d'un point de vue personnel, c'était déjà compliqué. Donc j'ai pas démarré dans l'état le plus serein possible, j'étais déjà stressée de base. Et je pense que ça a beaucoup joué aussi sur la façon dont j'ai vécu cette expérience professionnelle-là. Donc bref, j'ai démarré et déjà au bout de la première semaine, j'ai commencé à pressentir que ce poste idéal-là, ce poste de rêve ne serait peut-être pas celui que j'espérais. Et ça s'est confirmé les semaines suivantes et les mois suivants également. J'ai détesté ce que j'ai fait, j'ai rien appris. Au final, j'ai pas eu l'occasion de travailler plus que ça avec ma pote. Et quand ça a été le cas, c'était vraiment dans des conditions déplorables. Le contexte international qu'on m'avait promis n'existait pas. En 6 mois, j'ai pas du tout parlé anglais. Et surtout, je me suis ennuyée, c'est-à-dire que j'ai appris très peu de choses. Moi, ce qui me stimule et ce qui m'a stimulée, c'est cette dernière décennie dans ce domaine-là, c'est que j'ai appris énormément de choses, alors que de base j'ai pas fait d'études en informatique, mais j'ai appris sur le tas. Et là, en 6 mois, j'ai quasiment rien appris. Les relations humaines au sein de la boîte étaient très compliquées, il y avait une mauvaise ambiance, et ce boulot, en plus d'être ennuyeux sur une partie, il était très stressant sur l'autre partie. Je sais que ça peut paraître contradictoire, mais il y avait certaines tâches qui étaient très stressantes, notamment celles où je devais être en contact avec les clients, si bien que chaque jour, en fait, quand je me levais, j'avais la boule au ventre, j'avais pas envie d'aller bosser. J'ai commencé à faire des insomnies et le matin, c'était une horreur, vraiment une horreur. Je me disais que j'allais me lever et passer une journée en prison. Vraiment, j'avais aucune raison de me lever le matin parce que toutes les tâches que je faisais ne m'apportaient aucune satisfaction, aucune joie. Je pense que c'est ça aussi qui m'a menée au burn-out. Et s'il y a une leçon à retenir, c'est que si vous n'êtes pas content de vous lever le matin, si votre travail ne vous apporte pas de la joie et du bonheur au quotidien, posez-vous des questions.
Si vous détestez ce que vous faites, c'est alarmant. Moi, je me suis dit, c'est pas grave, je vais encaisser parce que je suis bien payée, parce que j'ai un bon salaire, je vais tenir le coup. Et en fait, j'ai fini par craquer au bout d'un certain temps. Hein, et parce que j'ai fini en burn-out, je faisais des insomnies, j'arrivais plus à dormir, j'étais stressée tout le temps. Franchement, c'est vraiment l'une des pires périodes de ma carrière. C'est le pire job que j'ai eu en 10 ans de carrière. Et l'une des pires périodes de ma vie aussi, si j'ajoute à ça le contexte personnel. Et ce que je regrette dans cette histoire, c'est que je n'ai pas suivi ma première intuition qui était de partir dès que j'ai senti que ça ne correspondait pas du tout à mes attentes. Ce qui m'a fait rester, c'est le fait que je pouvais garder mon voile et c'est le fait que j'étais très bien payée, mais je n'étais plus du tout alignée avec mes valeurs, je n'étais plus du tout alignée avec le reste. Inévitablement, ça m'a conduit au burn-out. Et du coup, si j'en ai tiré une leçon, c'est bien celle-ci, c'est que dans votre travail, vous devez être alignée avec vos valeurs, c'est hyper important, sinon ça va générer du bruit mental en fait. Au quotidien, ça va vous épuiser et ça va vous stresser et vous allez finir en burn-out. L'argent ne devrait jamais être la raison principale qui vous fait rester dans votre travail. Si vous êtes bien payé mais que vous détestez ce que vous faites au quotidien, que vous êtes stressé, que vous galérez à vous lever le matin, eh bien c'est un signe avant-coureur que vous allez potentiellement faire un burn-out. Faut pas oublier que le boulot, c'est là où vous passez le plus clair de votre temps. 8 heures par jour, 5 jours par semaine, si vous travaillez à temps plein, ça peut clairement vous épuiser. Ça peut vraiment mettre à mal votre santé physique et mentale. Si vous n'éprouvez pas de la joie au quotidien, si votre taf ne vous apporte pas ce shot de dopamine, ce shot de sérotonine, qui sont les hormones du bonheur, eh bien, posez-vous des questions, posez-vous les bonnes questions. Et cette expérience professionnelle m'a également mené à me poser beaucoup de questions sur le sens de mon travail, quel sens je mettais à toutes mes tâches au quotidien, et je me suis rendu compte qu'en fait mon travail n'avait aucun sens si ce n'est aider des riches à devenir encore plus riches. Et ça m'a énormément travaillé également ces derniers mois, et c'est l'une des raisons qui a fait que je ne me sentais plus alignée avec mes valeurs, parce que j'ai vraiment envie que mon travail aide des personnes qui en ont besoin. Je me suis vraiment remise en question et je me remets encore en question en ce moment. Ça fait 6 mois que j'ai démissionné, que je n'ai pas d'activité et je pense prochainement me remettre à rechercher du travail. C'est encore assez flou hein, dans ma tête. J'aime toujours le secteur de l'informatique. J'ai appris tellement de choses et j'ai fait de belles rencontres, mais je ne sais pas encore si je vais changer de secteur ou si je vais continuer dedans. D'un jour à l'autre, je change totalement d'idée, c'est encore assez flou. Une chose est sûre, c'est que j'ai envie d'apporter plus de sens à mon travail, j'ai envie de trouver une réelle signification. Je ne désespère pas de trouver quelque chose qui me corresponde et qui soit aligné avec mes valeurs. Un exercice que j'ai fait et que je vous recommande de faire si vous êtes dans cette situation-là et que vous êtes perdu, c'est de faire une liste sur papier, d'écrire sur papier tout ce que vous voulez dans votre travail et ce que vous ne voulez pas, que ce soit bien couché sur papier, comme ça vous avez des idées plus claires. Ça vous guidera par la suite, c'est un travail que j'ai fait il y a peu et ça m'aide à y voir un petit peu plus clair. Voilà, j'espère que ce petit retour d'expérience vous aura été un tant soit peu utile. Du coup, les leçons que j'en tire, c'est qu'il faut s'écouter, qu'il faut
se sentir aligné avec ses valeurs, qu'il faut être content de se lever le matin pour aller bosser, que l'argent ne doit jamais vous inciter à rester dans une boîte que vous détestez, et surtout que la santé passe avant tout. Votre santé mentale, votre santé physique, c'est la base. Une fois que vous les avez perdues, c'est très difficile de les retrouver. Et l'argent, c'est pas l'argent, c'est pas votre salaire à la fin du mois qui va vous guérir, même si ça peut y participer, on est d'accord, hein, on a tous besoin d'argent. C'est bien ça qui paye nos factures et c'est ça dont on a besoin pour vivre. Mais ça doit rester secondaire en fait dans votre choix de carrière, dans votre choix de profession. Je dis pas non plus qu'il faut un métier passion. Tout le monde n'a pas de passion. Et que pour beaucoup, faire de sa passion un métier, ça va transformer la passion en contrainte. Et c'est, je pense, mon cas. Une passion, c'est là pour nous faire évader, pour nous faire sentir bien, pour nous faire déconnecter. Mais malgré ça, il faut que vous appréciez votre travail. Il faut ressentir une certaine forme de contentement quand vous allez bosser, que ce soit pour vos collègues, pour là ou les tâches que vous faites au quotidien. C'est hyper important. Donc, il ne faut pas que ce soit une passion, mais il ne faut pas que ce soit une contrainte non plus. Il ne faut pas que ce soit quelque chose que vous détestez. Il faut que ce soit un entre-deux, voilà. Après, beaucoup de personnes aiment vivre de leur passion. On est tous faits différemment. Je suis désolée si cette vidéo t'a paru confuse, je m'égarais dans tous les sens. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas faire des vidéos story time, parce que c'est pas le genre de vidéo que tu peux scripter. J'ai tendance à m'égarer, à partir dans tous les sens, et après ma vidéo dure 3 plombes. Bref. Cependant, c'est un exercice qui me fait sortir de ma zone de confort et qui me fait du bien. Je suis quand même contente de l'avoir fait après coup. Et j'espère qu'il t'aura été utile, informatif, que ça t'aura permis d'apprendre des choses. Je pense que je reviendrai prochainement avec d'autres vidéos Storytime. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si tel a été le cas. N'oublie pas d'aller checker le lien de l'opération Olive Branch et de donner à une famille palestinienne dans le besoin si tu en as les capacités. N'oublie pas de partager ce lien dans ton entourage. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle semaine, où que tu sois quand tu regardes cette vidéo, et je te dis à la prochaine.